Nous allons l'adorer. Lui seul nous a aimés. Que ce Dieu-là nous montre sa gloire. Jésus, tu es notre roi. Jésus, tu es notre roi. Jésus, tu es notre roi de tous les temps. Jésus, tu es notre roi. Jésus, tu es notre roi. Jésus, tu es notre roi de tous les temps. Chantons Alléluia. 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 Jésus, tu es notre roi. Ta gloire, nous voulons vivre ta gloire, nous voulons vivre ta gloire dans nos vies, Seigneur, nous voulons vivre ta gloire, nous voulons vivre ta gloire, nous voulons vivre ta gloire dans nos vies, chantons Alléluia, Alléluia. Jésus, Alléluia, Alléluia. Oh, Jésus, Jésus est notre sauveur. Alléluia, oh, Alléluia, 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 Jésus. Chantons, Alléluia. Jésus-Christ est notre Dieu. Jésus-Christ est notre Dieu. Jésus-Christ est notre Dieu de tous les temps. Jésus-Christ est notre Dieu. Jésus-Christ est notre Dieu. Jésus-Christ est notre Dieu de tous les temps. Chantons Alléluia. En effet, la Bible dit de lui que le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Et la Bible dit de lui qu'il est venu afin que nous ayons la vie éternelle. Cette vie éternelle, ce n'est qu'en lui. La Bible dit de lui qu'il est ce fils-là, cet enfant qui nous est né, dont la domination reposera sur son épaule. On l'appellera conseiller, admirable, Dieu puissant, Père éternel. Jésus-Christ est effectivement Dieu. La France dans la sainteté, rebonjour. Bonjour. Frère Junior, oui. Je voulais témoigner par rapport à la musique. Oui. Depuis tout à l'heure, j'ai à cœur, je voulais attendre après, mais bon. Voilà, comme vous avez vu dans l'autre partie sur la destruction des œuvres de musique du monde, témoigne mon frère Emmanuel, parle-nous. Parce que dans la première partie, tu nous avais dit que tu as recherché quelqu'un qui, dans le concert, disait que tout le monde va aller en enfer. Vas-y, parle-nous. Tu as la parole. Oui. Je voulais dire au fait que, enfin, quand j'étais encore au Congo-Brazzaville, j'écoutais de la musique et tout et tout. Et après, quand je me suis converti, je savais pas que la musique c'était mauvais. J'avais pas accès au Congo, internet, regarder YouTube et tout, c'est pas trop évident. Du coup, j'avais pas accès à ces vidéos qui dénoncent, ce qu'ils font et tout. Du coup, une fois, j'étais en train d'écouter de la musique de Dieu sur ma Play 3 avant. Il y avait un jeu PlayStation 3. Et au fur et à mesure que la musique finissait, c'était une autre musique qui s'enchaînait au fur et à mesure. Et j'avais les yeux fermés, je chantais et tout. Après, direct, c'est passé à une musique du monde. Et j'ai senti comme,
comme, je sais pas comment expliquer, mais comme une présence qui m'a mis mal à l'aise et directement, c'est comme s'il y avait un lien qui s'était coupé quand je chantais. Je me suis dit, ah, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu peur de me retourner et j'ai couru, je suis allé dans la chambre de mon père et c'est là que j'ai commencé à me poser des questions. J'ai demandé à mon père par rapport à la musique, il m'a dit que par exemple le rap et tout c'est mauvais, mais il y a des musiques du monde qui sont aussi bien. Bon, les musiques qui ne parlent pas de Dieu, mais ça a l'air doux, des trucs comme ça. Après, je me suis dit, d'accord, j'ai supprimé ce genre de... Enfin, les musiques qui n'étaient pas bien. Mais après, bizarrement, je finissais toujours par les retélécharger. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et une fois, je parlais... Enfin, il y avait une sœur qui venait souvent... Bon, c'est une maman. Elle est grande et tout. Elle venait prier avec ma mère. Du coup, on priait des fois tous ensemble. Et quand je priais, il y avait quelque chose qui me disait, supprime la musique, supprime les musiques mondaines, supprime les musiques mondaines. Et je me disais, mais pourquoi je dois supprimer ça? Et je comprenais pas, en fait. Après, je me suis dit, je vais demander à la dame qui vient souvent prier avec nous. Je vais poser la question, est-ce que c'est mauvais d'écouter ces musiques et tout ça là? Et elle m'a dit, non, c'est pas mauvais, tu peux écouter. Ah! Et moi, ça m'a étonné. Mais je me suis dit, ok, je vais écouter. Mais bizarrement, j'étais pas satisfait par cette réponse. Et j'avais un frère qui habitait dans le même quartier que moi, bon, que je dérangeais souvent pour parler de la Bible et tout. Et je lui parlais de la musique. Il m'a dit, frère, il y a deux choses dans ce monde. Tu ne peux pas être au milieu. Soit tu es avec Dieu, soit tu n'es pas avec Dieu. Ces musiques-là, c'est pour la gloire de qui? Moi, j'ai dit, c'est pas pour la gloire de Dieu. Après, il a dit, bah, tu as ta réponse. Et une fois, j'étais à la véranda. J'étais en train de voir toute ma playlist de musique mondaine. Et enfin, c'est comme si je faisais mes adieux. Je me suis dit, bon, je vais les écouter une dernière fois avant de supprimer. Et après, au moment de supprimer, mon doigt, il a bloqué. Il bougeait plus, en fait. Du coup, je me suis dit, ah, mais attends, comment ça, je veux supprimer? Qu'est-ce qui se cache derrière? J'ai vraiment eu peur. J'arrivais pas à supprimer ça. Et puis, j'ai jeté mon téléphone et j'ai couru. Je suis encore allé dans la chambre de mon père et j'ai expliqué ce qui s'était passé. Et j'avais supprimé toutes les musiques mondaines et tout. Et quand je suis arrivé en France, j'ai fait des recherches sur l'ordi et tout. Et c'est à ce moment-là que je suis tombé sur des choses comme Illuminati, musique satanique et tout, le satanisme avec les photos de Rihanna et tout ça. Et puis je me suis dit, ah ouais, donc c'était vraiment mauvais. Bon, c'est tout en fait. Merci beaucoup mon frère, merci pour ton mea culpa. Mais quel conseil donnerais-tu maintenant à un frère qui nous écoute maintenant? Ils disent que non. Ceux-ci chantent quand même bien, même s'ils sont du monde, ils disent quand même les choses réelles. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Je peux leur dire que bah, quand on fait quelque chose, bon, la façon dont on agit, ce qu'on écoute, ce qu'on fait, c'est soit pour la gloire de Dieu, soit pour la gloire du diable. Et ces musiques-là, ça ne glorifie pas Dieu. Et ça te pousse à agir aussi, ça te pousse à mal agir des fois. Du coup, c'est mieux de ne pas les écouter. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Le frère Oswald Rebonjour. Le frère Olivier Dila Silia, Saria, bonsoir. Il doit se faire tard là-bas en Chine maintenant. Le frère Willy Landromo. Bonsoir frère, bonsoir. Oui, Ouais, il fait tard, je suis là debout toujours. et c'est vraiment tard, c'est pour ça que ça arrive en retard comme ça. Voilà. La sœur Riziane, bonjour. Encore du côté de l'Arabie Saoudite. Les hommes qui sont de la. Oui, frère Junior, je t'entends très très mal. Voilà, là. Je ne sais pas ce qui ne va pas ce soir avec la connexion avec. Je crois que c'est parce que tu as dénoncé ton type Florent Pagny là. Et que en plaide peut-être brûle, il faut brûler son CD. J'espère que ça va dégager là-bas dans cette zone-là, pas vrai? Oui, bonsoir, frère Junior. J'ai Oui. seulement coupé mon micro. Je vous écoute. Oui, je te pose la question. Tu as écouté le truc des musiques mondaines tout à l'heure? Qu'est-ce que tu en penses? Donc, je ne sais pas. Quand moi, quand j'ai cru, j'ai commencé à détester tout ça seul, sans savoir le pourquoi. Mais j'avais encore ces chansons dans mon téléphone. Oui. Je priais, je faisais tout, c'était toujours dans mon téléphone. Un jour, je suis restée dans moi-même, parler que mes résiens, tu ne veux plus entendre, écouter la musique du monde, mais ça fait quoi dans ton téléphone? C'est comme ça que je pars maintenant
au truc. Dans mon téléphone, j'efface tout. J'ai tout effacé. Après avoir effacé, j'avais un CD que j'étais venu avec du Cameroun. C'était ça, Coco Argenté. Je l'aimais beaucoup. J'avais toujours ce CD. Et c'est comme ça que je reste. Mon cœur n'était pas tranquille. Je dis, mais tu as effacé toutes les chansons de ton téléphone. Coco Argenté fait encore croire dans ton sac. Comme ça que je pars aussi, je ramasse la disquette de Coco Argenté, là, je mets dans la poubelle. Ça ne t'a pas fait C'était mal. comme ça. Donc, ça ne m'a pas fait mal. J'étais très contente de me débarrasser de tout cela, très même. Parce que je vois comment j'étais possédée par toutes ces choses-là, surtout la musique. Parce que quand j'entendais, je suivais, je voulais toujours imiter, devenir comme ces gens-là. Quand j'ai cru, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, je ne comprenais pas au juste ce qui m'arrivait là, là, là. Et après que j'ai compris, que j'ai su que tout ça n'était pas bon, tout ça n'est même pas bien. Je ne peux pas conseiller à un frère. Ce qui fait que quand j'entends, je vois peut-être une sœur ou un frère qui suit encore la musique mondiale, j'ai dit, ah, peut-être Dieu ne t'a pas encore révélé à cette personne. Donc, peut-être le moment viendra. C'est pas bon. Vous suivez actuellement Youssou N'Dour, Corneille, Bob Marley, Richard Bona, Manu Dibango et tous les autres, Henri Dikongé, que vous les aimez, qui chantent bien. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, ils servent tous le diable, sans exception, même s'ils chantent bien. La France de la sainteté, bonjour. Mais frère, j'avais une question en fait. Oui, ça c'est le frère Emmanuel, oui. Est-ce qu'une chanson chrétienne Oui. peut provenir aussi d'une inspiration démoniaque? Le plus grand danger, justement, c'est dans ce domaine-là. Parce que maintenant, il y a les hip-hop chrétiens, il y a les rumba chrétiens, la salsa chrétienne. Donc, c'est le plus dangereux de là-bas. Je crois que nous avons traité ce cas-là dans le Belgique, dans la sainteté, si ma mémoire est bonne. Essayez de regarder les musiques chrétiennes, les musiques, quelque chose comme ça, sur Bamba Ibada, comme mon frère, on a traité. D'accord. Voilà, que le Seigneur te bénisse. Mais en somme, quand ils sont chez les chrétiens, il faut maintenant examiner si c'est biblique. Parce que je crois que dans l'enseignement, Jéhovah n'est pas le nom de Dieu. J'en ai joué quelques extraits. Vous avez vu comment des gens chantent, ils disent qu'on passe chez Marie. D'autres chantent que écris mon nom, Seigneur, écris mon nom. Vous voyez ces choses-là. Ce n'est pas scripturé. Donc, ça ne peut pas être inspiré du Saint-Esprit. Maintenant, vous regardez de l'autre côté, quand ce n'est pas d'abord pour la gloire de Dieu, ça vient d'abord du diable, même si la personne a de bonnes intentions. Comme le cas, vous prenez le cas de Jimmy Page et autres là-bas, enfin, de toute façon, tous servent le diable pour commencer. Natou Chantal, bonjour et bienvenue. Bonjour frère Junior, bonjour tout le monde. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas arrêté. On vient tout juste de commencer. Ça fait depuis 6 heures. Ah non, là jamais. Je suis Comment? bien arrêtée frère Junior. Comment ça Je t'es n'étais pas arrêté? arrêtée, je ne pouvais même pas mettre mon téléphone en marche. Oui. Mais nous venons de commencer là, non? Nous venons de commencer tout juste. Bonjour. Oui. Une partie. Oui, que le Seigneur te bénisse. Amen. La sœur Hélène, bonjour. Le frère Pierre, bonjour. La sœur Bonjour, Willy, frère Junior. Bonjour, que Dieu vous frère bénisse. Junior. Je vous aime tellement. Nous aussi, frère. Le frère Benjénine, le frère Achille, la sœur Kétia, bonjour. Bonjour, frère Junior. Ça fait 6 heures Bon. et presque 20 minutes que nous travaillons. Vous n'êtes pas fatigué? Non, frère. Pas du tout. L'apôtre Paul prêchait dans Acte pendant 2 jours, frère. On est disposé, il n'y a pas de problème. Vas-y. Oui, tu es disposé. Tout à l'heure, tu C'est as la abandonné. bonne place. Tout à l'heure, là, tu as abandonné ma soeur là-bas. Tu es parti faire un tour avant de revenir. Frère, c'est normal, non? Oui, c'est normal. Hein? La soeur Kelly, bonjour. Le frère Yannick, bonjour. La soeur Bon. Marie-France-Sophie, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, frère. La soeur Paul Gertrude, la soeur Nafissa, bonjour. Le frère Yannick, bonjour. Et le frère Willy, bonjour. Bonjour, bonjour frère. Voilà. Je crois que nous avons épuisé les différentes questions et Bonjour, ça nous a entraîné comme ça devait nous entraîner. Maintenant, on peut parler maintenant, n'est-ce pas? Amen. Commencé à 9 h, nous nous sommes rendus à 16 h 18 minutes ici à Douala au Cameroun. Je vous remercie d'avoir accepté de perdre votre temps comme ça
pour écouter cette pauvre mortelle. Mais souvenez-vous, je vous aime et je vous dirai toujours ce qui est sera nécessaire pour vous. On a gagné le temps. Vous avez gagné le temps. Vous avez gagné le temps aujourd'hui. Amen. Dans la première, dans la partie où nous traitons de la destruction de ces vidéos-là dans notre corps. Merci au frère Benjamin qui vient de poster ce qui traite de cette musique-là sur le site. Je crois que vous pouvez voir cela. Le frère Emmanuel Yuba peut voir cela. Alors, je me demandais bien si c'est possible, donc vous me permettez donc de parler, même si c'est une première partie, qu'on va avoir la suite mercredi, plaise au Seigneur, si le Seigneur le permet. Amen, frère. Amen, amen. Dans cette partie où nous traitons de la musique, où je vous ai mis les musiques, souvenez-vous que je vous ai laissé vous exprimer, parce que je voulais qu'on ressorte un point commun à tout ce que nous allons voir et tout ce que nous avons vu sur ces choses des musiques du monde, ces satanistes-là. Vous m'entendez, n'est-ce pas? Oui, frère. Je vous ai donné, je vous ai demandé de noter 2 Timothée chapitre 2, versets 19 et 20, n'est-ce pas? Notez aussi Luc chapitre 19, verset 2. Comment, mon frère? 2 Timothée 2, verset combien? 2 Timothée dit, quand nous traitions de la destruction de la musique du monde, là, avec les présentations des vidéos, je vous ai donné de lire, de noter 2 Timothée chapitre 2, verset 19 et 20. Notez cela. Vous aviez noté cela, n'est-ce pas? J'espère que vous ne perdez pas le fil depuis qu'on est là, non? Non. Souvenez-vous, c'est parce que je vous ai dit que j'ai quelque chose sur le cœur de que j'ai reçu depuis 4 heures dans la nuit. C'est dans cette direction qu'on partait avant que le Saint-Esprit nous a conduit dans cette histoire de musique-ci. Et donc, je veux donc que vous voyez, je veux que vous ne perdez pas le fil. Parce que vous allez voir toute la construction tout à l'heure. Alors, dans cette musique, cette vidéo traitant de la musique, je vous ai donné de lire, de noter 2 Timothée chapitre 2, versets 19 et 20. Puis, maintenant, notez Luc chapitre 19, versets 11 à 27. Notez. On va parcourir cela maintenant. Mm-hmm. Notez Romains au chapitre 6, versets 1 à 20. Romains chapitre 6, verset 1 à 20. Et enfin, Romains chapitre 12, verset 1 à 2. On va commencer. On peut avancer, mes frères. On y va. Voilà. 2 Timothée chapitre 2, verset 19 et 20. Qui peut nous lire cela? Le frère Yannick est ici encore bien. Le problème des musiques longues sous lui. 2 Timothée 2, versets 19 et 20. Si nous sommes à la page, j'ai fait la lecture. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases vides. Vases à usage vide, vases d'un usage vide. Les autres sont d'un usage vide. Sidon. Ok, je continue. Sidon. Quelqu'un ne conserve quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Merci, frère. Fuis les passions de la jeunesse. Non, c'est bon, tu es au verset 22 là maintenant. C'est bon. Relis encore au niveau où on dit si donc. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Et que le peuple de Dieu dise Amen. La Bible déclare. Amen. Que si donc chacun, je crois que il ne faut pas que la connexion dérange pendant qu'on a de parler de ces choses. Je veux que vous me saisissez vraiment bien. Vous m'entendez bien ou bien la connexion dérange? Non, c'est bon. Ok.
Verset 19 de 2 Timothée nous dit, Dieu a deux paroles qui lui servent de sceau. Première parole, ça veut dire que ce sont les sceaux, ce sont des règles, ou mieux encore des théorèmes, ou mieux encore des phrases qui servent de base. Première phrase, c'est quoi? Un premier dogme ou un premier théorème. Le solide fondement de Dieu reste de vous. Avec les paroles qui lui servent de sceau. Oui. Ça, c'est le premier théorème. Non, la première théorème, il y a une deux points maintenant. On va citer ces paroles. Un. Le Seigneur. Connaissez qui le craint. Ça, c'est le premier. Ce qui lui appartient. Appartient. Utilisez le mot tel qu'il s'est écrit. Alors le Seigneur connaît ce qui lui appartient. D'après ce qui est dit là, ça veut donc dire que, en fin de compte, si vous et moi, nous vivons dans la fausseté, vous et moi, nous essayons de tromper les hommes, on ne pourra jamais tromper Dieu. Amen. Et par conséquent, chacun de nous, comprenant ce qui est écrit, ce qui est énoncé ici, que le Seigneur connaît ce qui lui appartient, dans le livre des Deux Chroniques, chapitre 16, verset 9, la Bible déclare que les yeux du Seigneur parcourent la terre. Donc, quand Dieu regarde le monde entier, il connaît ceux qui sont pour lui et ceux qui ne sont pas pour lui. Nous sommes d'accord? Amen. Voilà. S'il connaît ceux qui sont pour lui et ceux qui ne sont pas pour lui, ça suppose donc que tout ce que nous faisons sur la terre, si vous faites cela et que vous n'appartenez pas au Seigneur, tout ce que vous faites là, c'est pour vous. N'est-ce pas, frère? Oui. La deuxième parole qui lui sert de sceau, c'est? Ceux qui appartiennent au Seigneur, ceux qui prononcent le nom du Seigneur doivent s'éloigner de l'iniquité. Voilà. Si quelqu'un prononce, quiconque prononce son nom, quel est son nom, frère? Le Seigneur. Le Seigneur Jésus, pas vrai? Amen. Quiconque prononce son nom, il se doit de faire quoi? S'éloigner du péché. Voilà. Alors, et puis, au verset 21, il dit que si donc quelqu'un se conserve lui-même pur, souligner se conserver pur, en s'abstenant de ces choses, se conserver pur. Déjà souligné. Voilà. Si donc quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur. Vous avez vu ça, oui, n'est-ce pas, sanctifié propre. Voilà, propre à toute bonne œuvre. Maintenant, je recommence encore pour que vous voyez là où nous allons commencer à partir maintenant. Si vous regardez sans exception toutes les vidéos que nous avons vues dans le précédent enseignement, les deux précédents, que ce soit les musiques sataniques et tous les autres que nous avons vus, vous avez remarqué que ceux qui servent le diable le servent sans retenue, sans réserve. N'est-ce pas, frère? C'est cela. Première chose, donc je vais noter sur ma feuille, les serviteurs du diable servent avec dévouement. Le frère lui dit l'endroit de ma cour. Voilà, j'ai tenté de noter. La sœur Carole nous a rejoint. La sœur Carole, bonjour. Bonjour, frère. Il y a quelqu'un qui est aux alentours de la route là-bas qui nous donne les sifflements pour qu'on ne puisse pas parler de ces choses ce soir. Veuillez éteindre, vous êtes là où il y a dans une zone où il y a le bruit. Veuillez éteindre couper le micro. Alors, je note donc que sur toutes les vidéos et dans toutes les vidéos que nous avons vues, nous voyons que ces personnes que nous avons présentées tout à l'heure là, dans différentes vidéos, que ce soit Marilyn Manson, Booba et tous les autres là-bas,
Ils servent le diable avec dévouement et une totale dépendance au diable. N'est-ce pas, mes frères? Ils comptent absolument, absolument sur leur père, le diable. Pas vrai? Et c'est là. Ils se vantent publiquement de lui appartenir et de le servir. N'est-ce pas, frère? C'est clair. C'est ça, frère. Ils donnent de leur tout. J'ai souligné tout ici. Ils donnent de leur tout pour que leur père, le diable, réussisse. C'est vrai, ça, frère? C'est ça, même. Ils donnent de toute leur énergie, de tout leur temps, de tout leur matériel, de tout ce qu'ils ont sur le cœur, de tout ce qu'ils ont dans le cœur comme adoration. En fait, ils donnent toute leur énergie pour le service du diable. C'est vrai, frère? C'est là. Ils font tout et tout pour que la campagne du diable puisse réussir. C'est ça, frère? C'est bien ça. Le plus grave, c'est que ils ne font pas de compromis avec l'autre camp. Ils ne font pas de compromis avec l'autre camp. C'est-à-dire quel camp, frère? Le camp de Saint. Je suis en train d'aller au niveau de l'analyse globale de ce que nous avons vu pour amener ce que je vais faire là, ce qu'on va voir là maintenant. D'accord, frère? Je suis en train de noter maintenant. Voilà devant vous, je suis en train de noter. Noter, noter. On y va? On y va. Il dit le plus grave, c'est qu'ils ne font pas de compromis avec l'autre camp. C'est-à-dire quel camp, frère? Le camp des saints. Le camp des saints. En effet, ils comprennent mieux ce qui est libéré dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 17. Est-ce qu'on peut bien lire cela? 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, même jusqu'à 16. Que Dieu vous bénisse, je vous aime, je vous aime. Je commence à me sentir vraiment déjà. Je commence à me sentir bizarre maintenant. Puisse le Seigneur vous bénir. Amen, frère. Sois béni également. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. 14 à 16. Oui, allons-y, frère. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un même joug étranger. Oui. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Oui. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Oui. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Oui. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Voilà. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Voilà. Merci. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Oui. Merci. Alors, vous voyez effectivement, dans ce passage, c'est le passage clair de la Bible qui parle de la séparation radicale entre les ténèbres et la lumière. Nous sommes d'accord. Amen. Et nous voyons effectivement comment, dans le culte satanique que nous avons vu pour le cadre d'Anton, enfin pas Anton Lavie, Marie Le Manzon tout à l'heure dans notre cadre de la discussion des œuvres des ténèbres, vous avez vu clairement comment sur un podium, il prend ce que nous appelons la Sainte Bible, déchire et marche en avalant. Pas vrai? Puis fait une incantation, ça se détruit. Enfin, dans d'autres concerts, et Dieu voulant, vous allez voir, vous pouvez regarder ça sur YouTube, dans d'autres concerts, il invite les gens de venir au concert avec les Saintes Écritures parce qu'il va leur donner quelque chose. Quand ils viennent, ils déchirent un à un en versant, en demandant aux gens d'en faire autant. Et ils font la même façon comme il a fait. Vous voyez effectivement qu'ils ne font pas de compromis. Ils font tout et tout pour détruire ce qui n'est pas pour eux et qui appartient à l'autre camp, oui ou non. C'est ma question, c'est pourquoi pouvons-nous donc prononcer le nom du Seigneur Jésus-Christ et garder les choses du diable non seulement en nous, mais avec nous? Je veux que vous me répondez. Voilà ma question. Et c'est sur ça qu'on va développer. Je vous aime, mes chers frères, mes chers soeurs, vous m'aimez, n'est-ce pas? Amen. 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 Nous t'aimons, frère. Amen. 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 Voilà. Amen. Amen. Donc, en analysant ce que nous avons vu chez le diable maintenant, nous voyons effectivement que eux, ils ont compris 2 Corinthiens 6 qui dit il y a une tracé, il y a une frontière entre la lumière et les ténèbres, n'est-ce pas? Je pose la question. Pourquoi ils refusent de franchir cette frontière-là et continuer à se démarquer pour qu'on puisse voir leur territoire clairement?
et ils sont fiers d'être dans leur territoire. Nous, nous sommes frustrés d'être appelés les chrétiens. Pourquoi? Pourquoi peuvent-ils donner leur tout, sans exception? Et ils s'en, vous remarquez dans cette vidéo, ils s'amourachent là-bas, ils s'amourachent pour montrer que dans leur royaume, ils ont leur style d'amour, leur partage. Pourquoi chez nous, nous devons murmurer quand il faut donner quelque chose à un frère? Pourquoi? J'aimerais bien que vous me dites cela. Pourquoi? On est encore attaché aux choses de ce monde, mon frère. Voilà. On va en aller. Pourquoi peuvent-ils vanter leur maître haut et fort du podium? Qu'ils ont vendu leur âme, c'est-à-dire qu'ils ont signé une alliance éternelle avec leur maître, le Lucifer. Et nous ne pouvons pas vendre Jésus-Christ. Nous avons honte de lui devant les hommes. Nous ne pouvons même pas porter notre Bible. Mais un homme se masque le corps en écrivant « Rendez-vous en enfer ». Porte pour l'enfer, l'autoroute pour l'enfer, 666, grave le serpent sur le corps, comme notre frère dit, sur les plateaux de télévision se vantent qu'ils servent le diable. Pourquoi nous sommes prêts, dans nos lieux de service, à déshonorer le Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas séparés avec le monde. Pourquoi? Pourquoi devrions-nous faire ces choses? Et la Bible déclare, quiconque prononce son nom, qu'il s'éloigne. S'éloigner, ça veut dire se séparer, n'est-ce pas, frère? Amen. Qu'il se sépare de l'iniquité. Qu'il s'éloigne de l'iniquité. Pourquoi avons-nous encore en nous des griffes de Lucifer? Pourquoi? Pourquoi voulons-nous chaque fois philosopher en prenant les choses du diable pour essayer de tourner en disant que nous pouvons faire que ça soit sain? Pourquoi? Pourquoi prononçons-nous le nom du Seigneur Jésus-Christ et portons les vêtements de Lucifer? Pourquoi? Je crois que c'est un peu lié au manque d'enseignement, hein, frère. Nous parce que je pense que ce n'est pas ignorant que beaucoup de chrétiens sont dans, dans le... Parce qu'aujourd'hui, si on remarque bien, même avec toutes les vidéos que tu viens de montrer, la plupart des messages sont de manière subliminale. C'est vraiment subliminal, en fait. Donc, aujourd'hui, le monde fonctionne un peu comme ça. Mmh. Donc, quand on te montre quelque chose, ça paraît bon, mais en toi, le fond, ce n'est pas ça, en fait. Mmh. Et concernant les chrétiens particulièrement, je crois que c'est un manque d'enseignement. Mmh. C'est un manque de chrétiens. Est-ce qu'ils sont prêts à obéir donc au Seigneur, les chrétiens? C'est justement là la grosse question. C'est là la grosse question. Le frère Willy nous a présenté le cas des frères de Pagny, Florent Pagny tout à l'heure, en disant que il avait des soucis avec les dettes, des impôts et autres là, et les banques. Il était déjà rempli de dettes et peut-être il devrait se donner la mort. Mais il allait chercher la communion d'une certaine façon. La communion est sortie avec une onction spéciale pour détruire l'humanité au point où il était numéro 2. Maintenant, comme Johnny Hallyday n'est pas là, il est le premier en France. Pourquoi donc peuvent-ils aller chercher la communion, cette relation personnelle avec le diable, pour le servir avec dévouement et être les brillants, les tops? Et nous, nous voulons servir le Seigneur avec nonchalance. Pourquoi? Je veux que les chrétiens me répondent. Pourquoi? Pourquoi c'est celui dont là, qui est saint, le Tout-Puissant, qui nous a invités à la louange de sa gloire? Pourquoi c'est lui qu'on néglige? Pourquoi? Alléluia, Jésus. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas complètement détaché. Voilà. On ne s'est pas complètement détaché du mal. Pourquoi nous ne pouvons pas nous détacher alors que ceux-là sont détachés de tout ce qu'on appelle religion, appelé Jésus, appelé Bible, pour servir totalement Lucifer, et nous ne pouvons pas nous détacher totalement de Lucifer et du monde pour servir le Seigneur Jésus? Pourquoi? Alléluia, Jésus. Gloire à toi. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à toi, Jésus. Amen. Alléluia. Frère, ça pèse depuis 5 heures, depuis 4 heures sur mon cœur. Ça pèse sur mon cœur. Mais il faut qu'il dise ça. Je pose la question à l'église. Alléluia. Ne sommes-nous pas fatigués de traîner avec nous les manteaux de Chinéa? Ne sommes-nous pas fatigués de garder dans notre maison des péchés d'Akan? Ne sommes-nous pas déjà fatigués? N'est-ce pas l'heure de se sanctifier? Alléluia, Jésus. N'est-ce pas l'heure d'arrêter la compromission?
Oh, Jésus. Qu'attendons-nous donc? Ils servent Dieu, ils servent leur Dieu de tout leur cœur, de toutes les forces, de toutes leurs âmes. En fait, le commandement, tu serviras le Seigneur de tout son cœur. Et ils le pratiquent pour leur Dieu. Pourquoi nous ne nous séparons pas? Pourquoi? Alors que la Bible nous a déjà dit dans 2 Corinthiens, comme nous avons lu là-bas, que quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Pourtant, nous lisons cela, il n'y a point de rapport, il n'y a point de point de contact, il n'y a point d'attache. Ou tu es dans la lumière, ou tu es dans les ténèbres. Mais pourquoi continuons-nous en restant dans la lumière et en tendant la main dans l'obscurité? Pourquoi? Frère, parce que nous fermons nos cœurs au cri du Dieu puissant. Pourquoi eux, ils sont ouverts totalement et servent leur Dieu à cri-tête, à tue-tête, chantent pour la louange. Et vous voyez effectivement 200 000 personnes qui vont au concert, dépensent de l'argent, leur fortune pour l'avancement, pour la réussite de cela. Pourquoi? Pour donner 50 euros à un frère, on doit murmurer. Pourquoi? 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 La France, le Seigneur nous vient en aide, mon frère. La France dans la sainteté, bon dimanche. Bon dimanche. Alléluia, Jésus. Frère, je crois qu'il y a un peu de conscience. Bon dimanche. Bon dimanche. Bon dimanche. Bon dimanche. La France dans la sainteté, bon dimanche.